Hey yo tout le monde, c'est Newtitoff, on se retrouve pour ce deuxième épisode de Pokémon Ruby Omega, j'espère que vous allez tous bien. La dernière fois, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, nous avions sauvé le professeur Seko après notre emménagement à Bourg-en-Vol et nous avions choisi, je vous le donne en mille, Arco comme Pokémon de départ. Et donc, il fallait qu'on suive Flora jusqu'au labo du professeur Seko, puisque on venait de lui faire avoir une défaite monumentale face à notre Arco, qu'on a appelé le sapin, en rapport avec Noël. Et donc, fallait qu'elle fasse son compte-rendu à son père. C'est son père, le prof Seko, ou pas ? Je ne sais plus. J'ai un doute, je ne sais plus totalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut qu'on aille par ici, vite. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, ce petit couvre-chef, je l'ai eu à la Paris Games Week. J'ai entendu dire que tu avais vaincu Flora en combat. C'est impressionnant. Cela fait très longtemps qu'elle m'aide dans mes recherches. C'est un dresseur très expérimenté. Tiens, j'en profite pour te donner ce Pokédex que j'avais commandé pour nos recherches. Comme toi, il avait commandé un Pokédex, on ne sait pas pourquoi, mais c'est bien, c'est bien. Le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Flora emmène le sien partout. Ou c'était pour vous montrer un petit peu le Arco. À chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, elle vient me chercher sur le terrain pour me le montrer. Les alliances entre Attends, à chaque fois qu'elle enregistre un... What ? Attends, elle vient à chaque fois pour te dire qu'elle a rencontré un Pokémon. Ok, très bien. Bon, je ferai pas ça à chaque fois, personnellement. Les alliances entre Pokémon et humains, la nature sauvage qui s'étend autour de toi, voilà ce que tu expérimenteras. Qu'est-ce que tu expérimenteras par toi-même en remplissant le Pokédex? Vois-tu, ce sera l'occasion d'élargir les limites de ton propre monde. Cela dit, ça me ferait très plaisir que tu reviennes me voir. De temps en autre. Oui, bien entendu, pas à chaque fois. Hein, pour me montrer l'avancement de ton Pokédex. Ah, j'ai hâte de repartir sur le terrain. Andy, tu as ton propre Pokédex maintenant. C'est super. Moi aussi, j'en ai un. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Pour attraper des Pokémon sauvages, rien de mieux que des Pokéballs. Hey, sympathique. Alors combien elle nous en donne? Un truc à retenir. Même quand tu attrapes un Pokémon sauvage, les Pokémon qui t'ont aidé à l'attraper gagnent de l'expérience. Bon à savoir, non? Allez, je vais finir de faire mon sac et moi aussi je serai prête à partir. J'ai hâte de voir quel Pokémon inconnu je vais rencontrer. Il faut qu'on profite de chaque instant de notre voyage. Pas vrai, Andy? Totalement. On va profiter de chaque instant. Et on va peut-être capturer des Pokémon. Je dois vous dire que je n'ai totalement pas du tout, même pas une once, réfléchi à mon équipe finale de ce jeu. Hein. Même mon équipe à un stade même pas final. Je sais pas. J'y ai pas vraiment réfléchi. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, je vais enlever ce couvre-chef, du moins si j'y arrive. La galère d'un homme. Finalement, j'ai réussi. Ok. Bon. Du coup, on va s'activer un petit peu. Pour avancer et pour voir justement ce qui va se passer dans la suite de cette aventure, puisque vous n'avez pas forcément joué aux jeux originaux, hein. J'ai peut-être oublié de préciser que c'était des remakes de Pokémon Ruby et Saphir sortis à l'origine sur Game Boy Advance. Enti, tu as fait connaissance avec le professeur Seko? Ah, quel adorable Pokémon! Ah! Je croyais qu'elle parlait du professeur. Je me suis dit, ah, le professeur Seko, quel adorable Pokémon! Non. C'est lui qui te l'a donné? C'est gentil de sa part. Tu es bien comme ton père, tu adores la compagnie des Pokémon. Quand je pense que tu possèdes ta propre équipe, ton père sera fier de toi. Mais je t'en prie, fais bien attention. Si tu as le moindre problème, n'hésite pas à rentrer à la maison. Bon courage! Est-ce qu'elle vient de nous faire un petit déhanché en mode... Hey! Hey, Mr. Newtitoff, I'm here! Non, je...
Excuse-moi maman, mais c'est pas vraiment pour moi ces choses-là. Sympa les petites lumières, hein, c'est sympathique. C'est genre pour éclairer quoi. Sympa. Enti ! Qu'est-ce qu'il y a, Flora ? Tiens, de la part de mon père, il avait oublié de te le donner tout à l'heure. C'est une mise à jour du Poké Multinav. Vous pouvez maintenant consulter le Navidex. Ça a ajouté une nouvelle fonctionnalité sur ton Poké Multinav. Le Navidex. Navidex, ça fait un petit peu le nom d'un médicament. Bonjour, j'ai mal à la gorge, je voudrais un Navidex, s'il vous plaît. J'ai un générique, si vous voulez, le Probluphène 400. Oui, bien sûr. Ça te permet de consulter des informations sur les Pokémon qui vivent là où tu te trouves. C'est vraiment très utile pour remplir son Pokédex. Je vais chercher des Pokémon par là-bas. J'ai bien envie de mettre ce Navidex à profit. Quant à toi, n'hésite pas à utiliser les Pokéballs que je t'ai donné tout à l'heure pour attraper des Pokémon. Ok. On va regarder un petit peu ce Navidex en question. Navidex. En fait, regardez, on a une sur l'écran du bas, déjà un screen en fait de la zone, mais lorsque on était sur Pokémon, à la manière de Pokémon Ruby et Saphir, et puis on a les ombres là des Pokémon qu'on peut rencontrer. Donc à vue de nez, Chenipot, pardon, Mediena et Zigzaton, je pense. Ouais, c'est Zigzaton la dernière, le dernier Pokémon. Il reste au moins une espèce de Pokémon à attraper ici. Au moins c'est pas mal parce que on sait les espèces de Pokémon qu'on peut trouver. Et ça, c'est plutôt cool. Et le fait d'avoir la carte sur l'écran du bas, écoutez, finalement, c'est pas mal. Et regardez, on voit que au final, on se déplace sur la map au fur et à mesure qu'on avance. Et ça, au niveau navigation, c'est plutôt cool. Comme ça, on sait où on est en temps réel. Allez. On va peut-être pas forcément capturer des Pokémon par ici. Qu'est-ce que t'as, Flora ? Es-tu par ici ? Regarde, la queue d'un Pokémon. C'est quoi ? Tu crois qu'il se cache ? C'est mignon. Ah, attends, je vais aller le voir. Et d'après le Navidex, je vois qu'il possède une capacité rare. Ah ouais ? Approchons doucement. Au fait, d'après ce que j'ai lu dans un livre, il faut pousser le pad circulaire juste un tout petit peu pour s'approcher sur la pointe des pieds. Tu y es presque, n'oublie pas, il faut pousser le pad circulaire juste un tout petit peu. Waouh, comme on est discret. Salut. Qui est-ce? C'est un Mediena, ok. Très rare comme Pokémon. Mais bon, visiblement, il possède une capacité spéciale rare. Bon, pourquoi pas, hein. Moi, je dis... Voilà, mais je sais pas trop. C'est nul qu'il évolue vie, hein, par contre. J'aurais préféré qu'il ait une attaque plus... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok, d'accord, il a morsure, c'est ça qui vient de me faire. Ok, pourquoi pas. Et Crasfa, c'est largement plus efficace en fait. Ah ouais, d'accord, ok, pas mal ce Mediena. Mais je pense pas qu'on va en capturer de Mediena parce que j'ai pas le feeling là avec le Mediena. Je préfère qu'on attende un petit peu puis qu'on voit comment on va capturer les Pokémon. Il faut aussi que je réfléchisse à des surnoms. Et je suis activement là-dessus. Oh, on s'est baissé, c'est trop mignon. Les Pokémon sauvages sautent sur les gens dans les hautes herbes. Pour en attraper, il faut aller dans les hautes herbes. Oui. C'est logique ce que tu dis, non? Pas envie de capturer des Pokémon. Attends, on va peut-être revenir voir Flora. Incroyable, bravo! Tu sais, même si j'ai davantage l'habitude, je suis loin d'y arriver à tous les coups. Nullité absolue, nullité extrême. Je suis désolé, hein, là, mais Flora, va falloir t'améliorer un petit peu, hein, je pense. Hein. Parce que globalement, tu n'es pas quelqu'un de très fort, d'après ce que j'ai vu. Allez, on a toujours un Arco sur nous. Un Arco, et c'est tout. Mais ça ne saurait tarder. Alors, est-ce que le mec a fini d'examiner ses traces de pas ? Je finis de reproduire les empreintes d'un Pokémon rare, mais elles ressemblent étrangement à mes propres pas. Eh bah oui, et bah voilà. Tu vois, je t'avais dit. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il me dit de voir ? Il y a des nouveaux Pokémon, c'est ça ? Ça se passe comment ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais pas trop.
En tout cas, ça a clignoté, ça c'est sûr. Ah, le premier combat. El Primero Combato. Allez, on y va. Je vois que t'as un Pokémon avec toi. C'est que tu dois être un dresseur. Tu peux pas refuser mon défi. Ok. Ok, allons-y. Premier combat contre un dresseur autre que la rivale Flora. On va voir ce que ça donne. Le sapin. Je sais quel Pokémon j'aimerais avoir. Un Tarsal mâle. Ouais, carrément. J'aimerais tellement avoir un Tarsal mâle, ce serait cool. Eh bien, écoutez, on va essayer d'en trouver. On sait que il me semble qu'il peut y en avoir hein, par ici. Des Tarsal mâles. C'est quasiment sûr même. Donc écoutez, on va partir là-dessus, je pense. Hein. Parce que j'ai vraiment envie d'en capturer un. Puisque je kiffe Galam comme Pokémon. Allez, vas-y. C'est bon. Si Xaton il est KO. T'es pas très fort, hein. Ce serait bien que t'apprennes une petite attaque. Allez, maintenant t'apprends une attaque au niveau 8, ce serait bien. Allez. Et il apprend rien du tout. Vous avez battu. Ok, on a fait Philippe le gamin. Philippe, c'est un nom de cheval. Il y a un cheval qui s'appelle Philippe, non? Il y a un Pokémon dans le coin. Qu'est-ce que c'est que ça? Approchez lentement. Ah, il est par là. C'est quoi? C'est quoi comme Pokémon? Ah, c'est un Grenipio? Ah ouais, un Grenipio, tiens. Grenipio. Eh, hey, mais ça peut être intéressant. Ah ouais, mais il est femelle. Le sexisme va revenir, hein, le sexisme va revenir. Vous avez l'habitude avec moi, de toute façon. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pareil, hein. Je veux dire, ça ne change pas. Ok, il monte sa défense. Je savais pas qu'on pouvait avoir des Grenipio dans cette zone. Oui, c'est découverte. Comme quoi, ça a un intérêt, hein, ce genre de petit... En fait, c'est juste que j'avais pas appuyé assez vite, je pense, sur le truc. Que tout à l'heure, je n'ai pas pu voir ce qu'il me disait. Par contre, ce serait cool que tu termines avec avec ceci. Moi, je vais terminer par Volvi, hein, on s'en fiche. Hein. Parce que moi, ça va nous remettre un PV. Attention, le PV, ça c'est le PV qui fera la différence à un moment. À un moment dans le jeu, vous verrez, ça jouera à un PV. Ce sera ça, ce sera la différence qui a été faite. J'aimerais tellement qu'on tombe sur un Tarsal. J'aimerais tellement. Balala. Ha ! Nos regards se sont croisés. Mon Pokémon insecte va s'occuper de toi. Ah bon ? Tu crois ça ? Eh bien, je ne pense pas. Il est niveau combien? Parce qu'il est peut-être... Ah ouais, niveau 4 quand même. Bon, ça devrait le faire. Hein. Je ne me pose pas de soucis dans ma tête. Ok, quasiment la moitié. Petit charge. Ouais, il fait mal. Un bon chenipote. Hommage à Pompote, hein, qui ne fera pas partie de l'aventure cette fois-ci. Malheureusement, je sais que vous l'avez aimé, vous l'avez chéri, mais il ne fera pas partie de l'aventure de Pokémon Rossa pour le moment. Le sapin. Allez, niveau 9, tu gagnes une attaque. Une petite attaque. Vive attaque. Ok, ouais, certes. Bon, ce sera toujours mieux que grasse face, il me semble. On va vérifier quand même. Vérifions. Pas dans le sac. Dans le sac, non. Non, mais dans Pokémon. Pokémon. Hop. Alors. Vive attaque 40. Écrase face 40. Ok. Bon, bah, c'est juste que ça frappe en premier, quoi, vive attaque. Tiens, d'ailleurs, on va le mettre en premier. Parce que ce sera plus simple pour moi. Toc. Toc. Voilà. Les échanger, c'est parfait. Pour pas se tromper d'attaque et qu'on fasse pas écrase face. Ouh. C'est encore un Grenipio. C'est pas un Tarsal, ça. C'est un Grenipio. Est-ce que c'est un Grenipio?
Ah non, c'est un Aragdo, tiens, un Aragdo. Étonnant. Un Aragdo dans les herbes. Tiens, c'est étonnant. Volvi. Ah non, il est insecte haut. Donc je pense pas que ça lui fasse vraiment mal. Oh, ça va, ça passe. Faut dire que le mien est niveau 9. Hein, donc, Ah oui, d'accord, c'est super efficace. Bon, on va pas trop se gêner avec lui. On va faire vive attaque. Qui lui enlève vraiment ce qu'il faut comme vie. Dard mortel, oula. Ah, c'est ça, d'accord. Ouh, oui, d'accord. Bon, on va terminer par Volvi. Hein, histoire de lui prendre le reste de sa vie. Et pas trop mourir. Parce qu'il s'agirait pas de tomber à 0 PV. Hein. Il s'agirait pas. Voilà, superbe. Superbe. Tiens, des baies. Des petites baies au rang. Ah, faut se mettre devant. Deux baies au rang. Il y en a trois. Je suis désolé, il y en a trois. Moi, personnellement, j'en vois trois sur le truc. Hein. Et là, deux baies pêcha, j'en ai vu trois également. Donc, prends les trois, écoute. Hein, ne fais pas tomber. En fait, sur l'écran du bas, les ombres qui s'affichent, c'est les Pokémon qu'on a déjà vus, en fait. Et je pense qu'ils s'affichent en couleur lorsqu'on les a capturés. Tout simplement. C'est vrai que moi j'aimerais bien tomber sur un tard. Meilleur dresseur de ma carrière. Ok. J'aimerais tomber sur un Tarsal. Je vous le dis. Moi je voudrais un Tarsal. Mal en plus. Qui plus est mal. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Mais je sais que dans cette zone on peut trouver des Tarsal. Mal. Des Tarsal en tout cas. On va faire Volvi parce qu'on a besoin de se récupérer de la vie. Donc écoutez, on le fait. 3 PV, il s'est remis. C'est pas super. C'est pas super du tout, du tout. Le sapin, va falloir... Ah, coup critique. Non, pas un coup critique. On dirait un coup critique. Hein. J'ai pas vu si c'était un coup critique, mais en tout cas, ça lui a enlevé beaucoup de vie. Étonnamment. Ok, super. Toujours les animations qui sont vraiment très belles. J'aime beaucoup. Allez, on a battu Dixie la fillette, ou je ne sais trop quel stratagème nomistique, qui veut dire au niveau du nommage, hein, bien entendu, qui est quelque chose de totalement français. Béoran, potion. Bah, sur le sapin, hein, bien entendu. Superbe. Allez, est-ce qu'on tente le Tarsal? Allez, on tente le Tarsal. On est comme ça, on tente le Tarsal. Tarsal! Maintenant. Ouais. C'est un zigzaton. Naturellement, ça se laissait entendre facilement. Enfin, on y pense. On se disait, ah ouais, d'accord, c'est un Tarsal. C'est pas un Tarsal. Qu'est-ce que t'as, toi? Hé! Comment ça va, NT? Tu t'en tires maintenant? Tu t'en tires comment? Tu arrives à marcher furtivement? Le Navidex, c'est bien pratique, pas vrai? Si tu n'as pas encore essayé, tu devrais expérimenter le mode recherche. C'est une fonction du Navidex qui réagit quand il y a un Pokémon à proximité. C'est super pratique. Oh! Oh, regarde là, NT. C'est des pompotes. Où t'es, pompatouté? Où t'es, pompatouté? Ok, ils s'envolent. Ils font une migration vers la Lune. C'était quoi, des charmions peut-être? Il faudrait consulter le Navidex pour en avoir le cœur naître. Ouais, d'accord. Oui, le champion d'arène, ok, d'accord, courage. Charmillon. Sympa. Sympathique. Ok, donc on peut voir le truc. Superbe. Bon, écoutez, moi j'ai envie d'un Tarsal. Et il me semble que c'est ici qu'on trouve le Tarsal. Donc... moi, je serais tenté de dire Tarsal maintenant. Ok, d'accord, c'est un Crénipio. Je sais pas, il y a une chance sur combien d'avoir un Tarsal. Mais en tout cas, moi, j'en veux un. J'en veux un et je suis sûr à 82,7% qu'il y a un Tarsal dans cette zone. Il y a un Tarsal mâle qui m'attend, qui me chérit, qui me regarde avec ses yeux de Tarsal, justement, et qui attend patiemment qu'un dresseur vienne le quérir et vienne le poupouiller. Ah merde, bon tant pis, c'est parti. Je pouvais pas savoir aussi. Hein. Je pouvais pas savoir, monsieur.
Parce que les tarsales aiment être poupouillés. Et... ha, on sait bien que poupouiller... c'est genre... tu le poupouilles, quoi. D'ailleurs, si on trouve un tarsal, on l'appellera poupouille. Ouais, poupouille. Ce serait pas mal de trouver un tarsal. Mais je sais pas s'il y en a dans cette zone. Je ne sais pas, je me demande. C'est actuellement la chose que je me demande. Et je me dis que si je passe du temps à chercher un tarsal, peut-être que vous allez vous lasser. C'est pour ça que je parle. Je vous émets mes hypothèses sur la chose. Alors vous pouvez lire le magnifique Pokémon au-dessus de moi, hein, formé de 7 lettres. Non, même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 lettres, bien entendu. Bien entendu, hein, puisqu'il y a le P, le O, le K, le E, le Mo et le Men. Et le... voilà, tout simplement. Ah, j'ai cru que c'était un tarsal. Je me suis dit, ah, ça change de tête. Et non, c'était un Mediana. Par contre, c'est un Pokémon qu'on n'avait pas encore rencontré dans la zone. Il me semble. Quoique je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il s'affiche en plus sur l'écran du bas? Il s'affiche pas en plus, en fait. Voilà. Mais un tarsal, on n'en a jamais vu, hein, vous me direz. Donc ça peut-être aider. Ou peut-être qu'on ne peut en trouver qu'après avoir aidé Timmy. Vous verrez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre très vite, je pense. Dans la suite de l'histoire. Sinon, on va tomber sur un Pokémon chromatique, hein. Ce serait ouf, ce serait oufissime. Mais je pense pas qu'au deuxième épisode d'une série, on trouve un Pokémon chromatique, hein, personnellement. Après, c'est des mon avis personnel, et si le jeu a envie d'être dans une phase de chance comme ça, pas de souci, aucun souci, moi j'accepte. Bon allez, on fait encore 4 rencontres, et puis après on part vers la suite de l'aventure parce que c'est pas vraiment très 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 cool, quoi. Vraiment, je trouve. Ah, oh, 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 oh. Oh my god, oh my god. NON. Il y avait un tarsal et il y a un Grenipio qui a popé. Mais non. Est-ce qu'il est encore là, tarsal? Putain, il est plus là. Faut les laisser popper, en fait. Putain, c'était pas un tarsal. Ah non, on l'a vu. Non, lui je veux pas, voilà. Moi je veux un Pokémon, un tarsal. On a vu où est-ce qu'on pouvait les avoir, les tarsals. Il vous a vu. Non, lui on veut pas, on veut un tarsal, on a dit. On l'a clairement vu, hein, le tarsal. Non, toi on veut pas, voilà. On va réussir à en trouver un au bout d'un moment. C'est obligé. Ça a l'air de popper assez vite les Pokémon dans les herbes, hein, quand même. Bon, suffit que je le dise et puis ça pop. Putain, c'est pas un tarsal là, ça saoule. Oh, c'est lui. Non, c'est lui. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est un tarsal? C'est pas un tarsal. Ralbat. Ah! Monsieur Tarsal, Mr. Tarsal. Le Poupouille, on a dit qu'on l'appelait, hein. Poupouille. Faut que je m'en souvienne. Faut pas que j'oublie qu'on l'appelle Poupouille. Poupouille. Alors comment on écrit ça, Poupouille? P-O-P-O-U-Y-E. Oh! Non! What? Je t'avais vu! On l'avait vu avec ses deux petites oreilles et tout! C'est pas un bruit de tarsal, ça. C'est pas un bruit de tarsal. J'avais remarqué, tiens, il y a une Pokéball par là. On l'a vu. J'ai reconnu le bruit du tarsal, je crois. Non, c'est pas un tarsal. J'allais dire, ça y est, j'ai reconnu le bruit, mais non. Ok, bon, globalement, on a un Pokémon sur 20 qui est un tarsal, si j'ai bien compris. C'est. Par exemple, là, c'est pas lui, par exemple. Non, en fait, j'ai pas du tout reconnu le bruit du tarsal. Non, là c'est pas un tarsal par exemple. Comme ça. Où il est?
Bon, on prend la potion. On prend la potion. Moi, je m'en fiche. Hein. Je... Au pire, je vous ferai une ellipse si, si c'est vraiment trop long, mais... Eh ben, vas-y, vas-y, cherche des Pokémon. Oh ah Tarsal. Femelle. Je peux pas. Il va évoluer en Gardevoir. Je suis désolé, Tarsal. Je suis vraiment désolé, mais non. Non. Non, Tarsal, non. Moi, j'ai dit que je voulais... Non. Il y a un moment... Oh, c'est lui. Oh, c'est lui. Oh, c'est lui. Non ! Mais mec ! Mais... J'ai avancé à pas de loup. À pas de loup. À pas de loup. Non, mais c'est pas possible. Il était là. Et pourtant, j'ai reconnu le bruit du Tarsal. Hein. Vous l'avez reconnu, hein. Ah, vous vous dites, mais pourquoi il veut tant un Tarsal? Bon, on se demande. Putain, c'est pas un Tarsal. J'ai cru. En fait, j'oublie le... J'oublie son son. Doucement. 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 Oui! Sois un Pokémon mâle, s'il te plaît, le Tarsal. Allez, vas-y, un mâle, s'il te plaît, c'est un mâle. Yeah! Par contre, il faut essayer de. De directement lui lancer une Pokéball. On a combien? On a 10 Pokéballs. Allez. Allez, on croise les dents. Et non. Ça va être très dur. Ça va être très dur de... L'attaque baisse. Ça, c'est cool. On va lui laisser baisser mon attaque. Comme ça, au moins, on sera tranquille au niveau des Pokéballs. Enfin, au niveau des attaques. Vous verrez. C'est un mec qui nous baisse encore une fois. Bah, quoique. Non, ça va me mettre KO. 2. Ah, 3. Oui. Oh, c'est suspense. C'est suspense. C'est le truc qui bouge pas. C'est le truc régulier, là. J'ai... Ouh. Bon, Tarsal, yeah, ça c'est cool. Ouais, poupouille. Pokémon psy-fée, oui, il a gagné le type fée hein, dans la génération actuelle. Waouh. Bah oui, on l'appelle poupouille. Allez, on va écrire avec le stylet. Non. Poupouille. Voilà. Poupouille. Superbe. Et bien voilà, on a capturé ce Tarsal. Et bien finalement, ça a été fait. Ça a été fait cette capture du Tarsal. Bon, on va pas trop se mentir. On a eu du mal. Tarsal est juste niveau 3. C'est pas forcément super. Mais on l'a eu. Et comme quoi la patience paye. Tout vient à point. Qui sait attendre, comme dirait le proverbe de... On sait pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui l'a dit. Hein. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a dit. Et ouais, il y a quelqu'un qui l'a dit. C'est quelqu'un qui m'a dit que tout vient à point qui sait attendre. Je crois que j'ai fait bouger le micro, mais on s'en fiche. Tu t'es bien débrouillé, petit. Merci, monsieur. Surtout, n'hésite pas à venir m'affronter à nouveau. Ton équipe et toi, allez encore progresser, c'est sûr. On reviendra, mais avant, on va suivre un entraînement spécial. Merci pour tout, monsieur Norman. Oh ! Enti ! Ça y est, le déménagement est terminé. Bon, on ne va pas rester planté là. Entrons dans l'arène, on sera plus à l'aise pour discuter. Allez, viens. Allez, je te défie avec mon Tarsal niveau 3. Ça alors, tu es venu jusqu'ici tout seul? Ah, je vois que ton équipe prend forme. Tu te destines donc à devenir dresseur, comme moi. J'ai hâte de te voir à l'œuvre. Bonjour, j'aimerais un Pokémon. Hein, tu es... Ah mais oui, tu t'appelles Timmy, n'est-ce pas? Je déménage chez ma famille à Vergazon. Mais j'ai peur de me retrouver tout seul. Alors du coup, je pensais que ce serait bien si j'avais un Pokémon avec moi.
mais comme je n'en ai jamais attrapé, je suis pas sûr de savoir comment m'y prendre. Je vois. Enti, si tu accompagnes Timmy pour capturer un Pokémon avec lui. Tiens, Timmy, je te prête un des miens. Timmy reçoit Zigzaton. Oh, waouh, un Pokémon. Prends aussi ses Pokéballs. Et maintenant, filez. Merci, monsieur. Enti, ça ne te dérange pas de m'accompagner, hein? Il est trop mignon, le Timmy. Il est tout timide. Timmy, il est timide. Les Pokémon se cachent dans les hautes herbes, comme celle-là, pas vrai, Enti? Observe-moi et dis-moi si je fais ce qu'il faut. Ouah! Ah! Un tarsal! C'est un mâle ou une femelle que tu vas trouver? C'est un mâle ou une femelle qui va trouver? C'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle, hein, lui. Mais de niveau 5. Lui, il est... Alors, haut niveau, quoi. Bon, le mec, il sait déjà attraper des Pokémon, tu sais, c'est... Ouais, j'ai attrapé des Pokémon! Non, il sait déjà. Il sait déjà attraper des Pokémon, mais il te demande quand même. Il te demande quand même. Puis il te montre sur l'écran du bas où est-ce qu'il appuie. Parce que, quand même, au cas où tu saches pas. Vas-y, et c'est l'heure d'envoyer ta Pokéball, hein, par contre. Ce serait cool si tu pouvais envoyer ta Pokéball. J'ai lu dans un livre qu'il valait mieux envoyer sa Pokéball une fois le Pokémon affaibli. C'est bien ça? Ouais, c'est ça, vas-y. Tu lis des bons... Le mec, il lui a donné 15 Pokéballs. Comme vous, il a aucune confiance en Timmy. Il s'est dit... Ouais, non, Timmy, c'est un dresseur qui va avoir du mal à capturer les Pokémon. Hey! Et hop, Tarsal est attrapé. Eh bien, nous avons tous les deux un Tarsal. Tarsal Forever. Poupouille. Poupouille Forever. J'ai réussi. Ce Pokémon, il est à moi. Merci, Enti. Retournons à l'arène. Tout s'est bien passé? Oui, c'était génial. Je peux maintenant vous rendre votre Pokémon. Merci de m'avoir accompagné, Enti. C'est grâce à vous deux que j'ai pu attraper ce Tarsal. Mon Tarsal, rien qu'à moi. Lui et moi, c'est pour la vie. Hein? Je ne suis pas sûr que ça suffise, mais pour te remercier, Enti, est-ce que tu peux me prêter ton Poké Multinave un instant? Voilà, et après le Navi Fun permet de chouchouter tes Pokémon, de les entraîner et d'utiliser le PSS. Le PSS, c'est un système qui permet des tas de choses. J'ai lu qu'on pouvait proposer un combat à ses amis, à tout moment par exemple. Ça fait tellement longtemps que j'attends d'avoir mon propre Pokémon, je me suis préparé à fond. J'ai même installé plein de trucs en rapport avec les Pokémon sur mon Poké Multinave. Tu dois me trouver bizarre. Ah. Je vais tout faire pour que mon Tarsal se développe du mieux que possible. Toi aussi, fais de ton mieux. Ah, maman doit m'attendre. J'y vais. Au revoir, monsieur. Au revoir, Enti. Eh oui. Quel enfant amusant. J'ai hâte de le voir grandir. Ceci étant dit, Enti, si tu veux devenir un dresseur puissant, fais bien attention à ce que je vais te dire. Commence par aller à Mérouville, qui n'est pas loin d'ici. Tu pourrais y défier le champion d'arène de la ville, Roxane. Tu remporteras son badge d'arène. Continue ainsi à défier les autres champions dans les arènes de toutes les villes que tu visiteras. Et bien sûr, je suis aussi un champion. Donc, nous devrons nous battre un jour ou l'autre. Mais pour ça, Enti, il faudra que tu deviennes beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Eh bien, pour devenir beaucoup plus fort, on attendra le prochain épisode, qui sera l'épisode 3 de Pokémon Ruby Omega. Mais vous inquiétez pas, vous attendrez pas longtemps, puisqu'il paraîtra dès demain sur la chaîne. En attendant, moi j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, en parler autour de vous. Et en attendant, n'oubliez pas, restez comme vous êtes super. Bye tout le monde.